Et bonjour tout le monde, c'est Revance Mille, bienvenue sur Hearthstone avec le canonnier. On va canonner tout ça. On va tirer des boulets, on va faire tout ce que vous voulez, on va juste obiter quoi. Garo. Ça me dit quelque chose ce nom. Je suis en position. Vous avez la tête de... Oh putain, oui. Ouais, c'est pas celui auquel je pensais exactement, mais oui, effectivement. Oui, Garo. Ah oui, d'accord, la main très chère, la main de base à 21. Bonjour. Hop. 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 Ah oui, en plus, j'ai un autre pirate. Ah merde. Ah, c'est chiant. Feu. Un point d'égard serviteur et donne plus d'attaque, pas pour l'instant. Donc oui, Garo, je vous avais parlé de la saga de Christopher Paolini, une des sagas qui est les plus connues. Enfin, ça, je crois que c'est même sa seule saga qui est connue, c'est Eragon, c'est la série d'Eragon. Attendez, je vais pas me planter, non, on va juste faire ça. 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 Et ça, et la série commence donc avec un jeune fermier avec son oncle qui s'appelle justement Garo, c'était juste ça dans l'idée. Merci. Non mais c'est sérieux. C'était vraiment sérieux ça. C'était fait exprès. Donc tu vas faire ça en premier. Ensuite tu vas faire ça. Ah non, j'ai fail. Oh j'ai fail. Oh j'ai lamentablement fail. Ouais, fais ça. Oh mais quel con. Oh mais quel connard. Oh mais là j'ai été un vrai connard là. Oh mais là j'ai été un vrai connard, j'ai utilisé mon boost de canon pour rien. Merci. Merci. Et mon canon est trop mal placé, chier. Ah. Donc on va faire ça. Ça. Encore un. Feu. Ensuite 3. Ah 5. Donc déjà 2. Et le jeu a replanté. Putain, mais il arrête pas, mais Hearthstone, je sais pas ce que vous avez branlé les développeurs là, mais avec cette mise à jour. Ça vient pas de mon ordi, j'ai le proco qui tourne à 10%. Bon, on va attendre que ça revienne. Putain, ouais, ça a été long. Putain, mais c'est pas stable cette merde. Oh, c'est full buggé. Oh, c'est full buggé. Oh, ça va me gonfler. Je ne suis pas déconnecté, y a rien qui fait chier. Je vais essayer quelque chose. On va vérifier un truc. J'espère que ça va pas se foutre sur l'écran du jeu. Donc j'ai 43% de RAM utilisé. Je vérifie juste les détails. Attendez. Je crois que c'est... Ah mais les... Mais le truc d'OBS, c'est fucké. J'ai 55% du proco qui est utilisé en fait. C'est la base. Ouais. Non. Hop, feu. Tu bouffes. Voilà. Ça, tu vas dégager. Donc, ouais, j'ai 40% de la RAM et 50% du proco utilisé pour Hearthstone. C'est pour ça, c'est pas pour ça que, je pense pas que ce soit pour ça que ça lag vraiment. Bon, ben, désolé, on a salle de la mort qui va te finir. C'est dommage. Il m'a sorti elle de la mort, il était fini. Il est con ce boss, il est con.
Il y a surtout pas eu de chance. Bon. Ah, on peut rejouer les pirates. Ça pourrait être rigolo. Ça, ça fait quoi? Ouais. Ça, c'est bien, les légendes, mais bof. Pas terrible. Le canon... chaque fois que je leur attaque. Ok. Ça, c'est le plus intéressant. C'est le plus agressif, c'est le plus intéressant. Donc on joue pirate et dragon. Ouais, why not, après tout. On continue, ça fait que 4 minutes, 5 minutes que la vidéo est a été lancée, donc on peut continuer. Ronce Bois. Ah oui, c'est lui. Seigneur Eldemort, on va le garder. On va le garder sous la main, on va le garder sous le coude. Tour 1, tour 2. Si j'ai de la chance, tour 2 aussi. Donc tour 1, on tac. Et on tape avec le crochet. Ok. Ah oui, c'est vrai, tous les serviteurs se tapent dessus. Et donc j'ai les deux. J'ai les deux nonailles. Donc feu. La ruée. Le nonaï qui est quand même assez efficace quand il est en double. Quand il est en solo, il sert à rien. Donc, donne plus 2 à un adversaire. On va le faire après, on va juste faire feu d'abord. 3, tu dégages. Tu me laisses ça, donc plus 3, ça m'intéresse. Et il commence à prendre du dégât. Tout va bien. Un serviteur puis recommence 4 fois. Ouais, bon, ça servait pas à grand chose. Double canon. Ça va faire tellement mal. 28. Ouais. 1. On va essayer. Je sais pas si ce serait plus intéressant. Je sais pas ce qui serait plus intéressant en fait. Non, je me suis planté sur un truc, ça a pas marché. Pas fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Là, par contre, ça fera ce que je veux. Et là, ça commence à bien réduire tous les coups de mana. Là, ça commence à être intéressant. Le double canon est vraiment intéressant. Ça réduit de 4 chaque tour. Ah oui, plus 1. 4. Après avoir invoqué un pirate... pour l'instant, on va juste faire ça, 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 j'ai dit, merci. Ça, ça. 14-14, ou alors on va faire ça. Seigneur Eldemort qui vaut 4. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est rigolo, ça. Bon, ça me plaît, moi, j'adore. Et le canon qui le finit. Feu. On a l'exaltation. Et les coups de mana, hey. 2-0. Merde, non. Putain, j'ai cru qu'il allait m'attaquer de mort, ce con. Non. Nope. Ah bah, c'est pas mal. C'était une bonne petite partie. Moi, j'aime bien quand il y a deux canons comme ça. C'est rigolo. C'est trop rigolo. Ouais, je suis content.
Oh, oh. 4 mana à chaque fois que je tire avec les canons, ça va être tellement violent. Ouais, c'est trop violent, ça, c'est pas la peine. Donc pirate, on a équivalent à votre arme. J'ai pas d'arme, donc je m'en contrebalance. Ruée, invoque un. Ouais, ok, ruée tant qu'il est. Change, ok. Je pense qu'on va jouer l'attaquante. Donc on va s'arrêter là pour le tournage de cette vidéo, et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Revanzmil qui vous a présenté Hearthstone, le bois maudit. Pour le soutenir, n'hésitez pas à pouce bleu, commentaire et abonnement, surtout abonnement, ça me ferait très plaisir. Et ben bye bye, c'était Revanzmil.